on booze in the house of blues. It's the O. Salut tout le monde, c'est Mathieu Prolétique, bienvenue à ce nouveau workout de la semaine. Cette semaine, chess workout, on était au Tech Gym à Saint-Jérôme pour se faire. Et on commence tout avec un incline press sur la Smith Machine, où est-ce qu'on va faire 15 répétitions. Vous allez voir que je fais un tempo très très lent, c'est un 5 secondes en contraction et un 3 secondes en retenant la charge. Pourquoi? C'est qu'on veut vraiment créer la connexion muscle-cerveau au maximum. Ce qu'on veut vraiment, c'est que votre chest comprenne que c'est le chest qui travaille, donc vous allez pousser tranquillement pour aller faire travailler les fibres au niveau de votre chest. Une fois que les 10 répétitions vont être faites là, vous allez faire 5 répétitions rapides pour pouvoir commencer à mettre un petit peu de sang dans cette chest-là pour passer ensuite au second exercice. Deuxième, c'est une super belle variation au niveau du chest fly pour le dessous du chest. Vous allez vous mettre sur un demi-ballon au sol. Vous voyez un petit peu la position de mes pieds en même temps. Vraiment, vraiment cool comme exercice. C'est différent. Vous allez sentir une drôle de contraction évidemment aussi. On voit vraiment une belle amplitude de mouvement au complet. Vous allez vraiment vous rendre au plus loin en arrière pour stretcher le chest au max. Vous allez voir, vous allez vraiment aimer le genre de contraction que ça fait au niveau du bas du chest. C'est vraiment un bon mouvement à incorporer pour votre prochain workout de chest. On part ensuite à un classique qui est le incline press. Comme d'habitude, c'est un bon classique. Vous voyez que je contrôle encore vraiment, vraiment la charge que je voulais dans ce workout-là. Vous allez faire du 4-0-1 pour le incline press. Vous allez faire environ 10 à 12 répétitions le plus lourd que vous pouvez, évidemment. Je pousse tout le temps un petit peu plus loin que les yeux en haut pour vraiment sentir le chest et non les épaules ou trop les triceps tout ça en même temps. Et on va faire ensuite un squeeze press en superset avec un petit poids. J'ai pris un 25 livres. Vous allez faire entre 15 et 20 répétitions selon ce que vous êtes capable de faire. Ce qu'on veut vraiment, c'est de continuer à mettre du sang au maximum et vous allez les squeezer pour l'intérieur du chest. On finit avec un chest fly sur un banc assis à la poulie. Ce qu'on voit vraiment ici, c'est un mouvement de momentum. Vous contrôlez toujours la charge, un beau stretch et une belle contraction. Mais on va aller très léger pour aller jusqu'à 15 à 20 répétitions pour vraiment venir faire une belle pompe pour la fin de ce workout-là. Vous allez faire 5 sets de 15 à 20, donc un maximum de 100 répétitions. Et ensuite, c'est déjà fini pour aujourd'hui en espérant que vous avez aimé ce workout. Bye guys! Yeah.